François Larosière, je suis directeur artistique de la compagnie La Machine, qui est installée à Tournefeuille dans l'agglomération toulousaine et aussi à Nantes, on a deux ateliers. Cette compagnie développe une activité de théâtre, hein, de théâtre de rue, de spectacle dans la rue et dans l'espace public. En faisant du théâtre, on utilise le mouvement d'une machine comme un acte théâtral. La machine raconte son histoire et par son mouvement, elle fait son propre théâtre. Puisque le mouvement, c'est l'expression de la vie. On vit avec les machines en permanence, donc autant que les machines nous racontent quelque chose. La compagnie La Machine s'est créée un peu sur ce besoin de partager l'outil de production pour réaliser ses rêves, quoi. Donc quelque part, on était peut-être une sorte de Fab Lab à l'époque, il y a 25 ans, sans le savoir. On est vraiment une équipe. Je veux dire, le savoir-faire de chacun, c'est l'outil de départ. C'est-à-dire, l'aventure est avant tout humaine. Elle est technique nécessairement, mais avant tout, c'est l'aventure humaine qui fait l'histoire. Arrêter de produire du jetable, mais pouvoir recycler, modifier, réparer, transformer les machines qu'on fabrique demain, c'est fondamental. Moi, j'aime bien cette idée que l'invention passe par simplement l'envie de faire, de se réunir et l'envie d'inventer et de créer à partir de passions qui sont intimes et personnelles.